fait du beau travail. Et tes amis, comment on peut leur venir en aide? D'après la radio, Vas filme des demandes de rançon à PC. PC? Paretskov. Mais pour nous, c'est Sunset Cove. C'est une de leurs prisons. Compris. N'oublie pas, Jason. La force que tu gagnes en suivant la voie contribuera à ta réussite. Ok, salut tout le monde, c'est Azrod, on se retrouve aujourd'hui pour le 4ème épisode de Far Cry 3. Et franchement, bah, j'adore ce jeu déjà. Gros point positif, c'est que bah, quand on est comme moi et qu'on joue qu'une fois par semaine, et ben, c'est bien d'avoir Denis qui nous rappelle pour aussitôt nous rappeler ce qu'on était en train de faire. Donc là, on devait aller à leur prison top secrète, enfin pas top secrète, mais méga gardée, pour aller libérer nos amis, et en attendant, bah... je pillais quelques coffres, honteusement, parce que j'adore les coffres, j'adore la... Qu'est-ce que t'as, toi? Ok, ça commence très bien. Donc vous remarquerez quand même que je me suis légèrement habitué au FPS. Hein. Hein. Bon, je me suis pas forcément entraîné, mais bon. Là, cet épisode commence vachement bien. Alors, bon. Promis, je vais arrêter avec les coffres. Mais j'en ramasse encore quelques-uns parce que il nous faut quand même de l'argent pour acheter des bonnes armes, des munitions et tout. Donc voilà. Même si c'est pas un 100%, il faut quand même faire un minimum d'annexes pour avoir de quoi évoluer et pas se faire rétamer dans le jeu. Parce que voilà. Bon. Là, la zone a été pas mal nettoyée. Bon, d'accord, je l'avoue, il en reste encore masse. Donc. Faut qu'on se rende ici. Et ben moi, ce que je ferais bien, c'est d'abord j'attaque cet avant-poste, ensuite celui-là, pour enfin libérer la tour radio, comme ça on sera juste à côté du machin. Peut-être qu'on fera pas la mission aujourd'hui, mais au moins on aura déjà pas mal cleané cette zone. Et bon, pareil, même si c'est pas indispensable, c'est mieux, c'est plus rapide, parce que du coup, le fait de cleaner la zone, bah c'est moins compliqué, je crève moins souvent parce que voilà, je suis pas un expert. Et oui, j'ai la flemme de nager. Du coup, j'y vais en boat. Au fait, elle va où au moins cette rivière? Ouais, non, galère. En fait, faut que je descende. Oui, moi je me gare comme ça sur les bateaux. Oui, je te recherchais pas. Chacun a sa technique. Par contre, ça va être méga galère parce que c'est de l'autre côté de cette montagne. Bon. D'accord. Super, donc on va contourner. C'est déjà pas mal. Voilà, ça va me permettre de peut-être rencontrer 2-3 trucs. De me refaire la main avec le jeu. Et également de récupérer des petits coffres paumés comme ça. Voilà. Bah. Là, on est relativement pauvre quand même. Hein. Les feuilles vertes, ça peut toujours servir, ça, franchement. Dès qu'on en voit, faut en prendre parce que c'est une utilité. Hop là. Et c'est parti. Bon, là, ça va partir en tout terrain. Hein. Ok, ah d'accord, je croyais que je l'avais déjà cassé, il avançait plus. Je m'arrête histoire de récupérer le petit coffre. Il est où le petit coffre? Il est là le petit coffre. Ok. Oui, je sais, je vous fais chier avec l'annexe, mais bon, faut en faire. Et c'est ma vision des choses et c'est comme ça que je vous fais. Voilà, pour ceux qui ne s'intéressent pas, bah dommage. Oh le champion. Oulala. Où c'est parti en couille là? Ok. Ici? Il me semble que je suis arrivé, je me suis cassé la gueule juste à côté. Oh yes. Bon, d'accord. Merde, j'aurais peut-être dû racheter des balles par contre. Oups. Bah ça, je voulais faire. Je voulais changer d'arme. Merde, j'ai pas d'arme à silencieux. Bon bah tant pis. Alors déjà, il va falloir que je localise un peu tout le monde. Il y a un tigre là déjà.
elle est là, elle est où là? Ah, elle est ici. Il y en a qu'une? S'il y en a qu'une, ça va le faire. Ok, il me semble qu'il y en a qu'une. Donc elle est. Je vérifie quand même parce que. J'essaye de stratégier quand même un minimum. Ok. Putain, elle est quand même vachement près de lui, c'est ça le problème. Ok, c'est bon, je vais péter. Ouais, je suis dans la merde parce que j'ai plus de balles, mais c'est pas grave. Mais. Ok. Ah, elle est puissante cette arme quand même. Je vais activer l'alarme. Je récupère des balles un petit peu. J'ai plus d'alarme. Ouais, j'ai libéré, c'est bon. Wouah! Oh merde, j'ai plus de trucs de soin. Ah. On va refaire. Alors, hop, menu. Crafting. J'ai pas fait gaffe. Là, faut que je me refasse un peu la main. C'est. Ok, donc je peux me faire déjà deux seringues. C'est pas le top, mais c'est déjà ça. Ok, c'est bien parce que j'ai le tigre avec moi, du coup, il est du pif. Ok, c'est bon. Ouais, même le tigre. Bon, c'était pas ce qu'il y avait de plus compliqué non plus. Par contre, toi, désolé, mais. Je préfère te. Wow! Tigre éliminé. Ok. Nickel. Alors. Bon, déjà, avant tout, je vais tout de suite racheter des balles. Pourquoi je monte, je ne sais pas, c'est ici. Parce que là, je suis, comment dire, un peu en dèche. Qu'est-ce qu'il y a à récupérer ici? Un coffre. J'ai dit un coffre, voilà. Un truc de soin. Alors, déjà, on va vendre un peu tout notre bordel, là. Déjà ça. Ok. Mince. Alors, niveau munitions, bah oui, le plein s'il vous plaît. Mais faudrait que je m'achète un truc pour avoir plus d'armes. Enfin, plus de balles. Parce que, bah, vous avez vu, franchement, j'ai pas beaucoup, beaucoup de balles. J'ai 60. C'est que dalle. Tiens, à la rigueur, je vais aller voir. Crafting. Truc de munitions. C'est ça, ouais. Il faut quoi? Boire et. Bon, les boires, je sais pas du tout ce que c'est. Ça se dit pas boire, mais. J'ai un accent de merde, c'est ça. Ça a l'air. Bon bah. Pour l'instant, tant pis. On les fera si jamais on a le temps en fin d'épisode. Et si on est trop juste pour ça. Donc hop, ici maintenant. Waouh, ça m'entraide. Allez. Oui. Bon, on contourne de toute façon. Hein. Alors. Bah le bateau nickel hein. Et c'est parti. Hop.
suis en train de verrouiller pareil toutes les personnes que je peux. Elle est où l'alarme? Je vois pas l'alarme. Ça pose un peu de problème. Bon, bah. Ok, je suis repéré. Wouh! Dégage, 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 dégage. Allez! Non! Hop là, on dégage vite. Ok, c'est trop tard. Bon. Eh ben, va falloir y aller un petit peu plus discret parce que le bourrin, ça passe pas. Au moins, on a vu ça. Ça passe pas. Ah oui, et normalement j'ai trouvé le moyen de mettre les écritures en français. Mais j'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. Que je suis un petit peu en manque de contenu, du coup bah faut que je tourne, donc j'ai pas le temps de mettre en français. Ça devrait pas prendre longtemps, mais bon, faut faire ça. Il y a quelqu'un là, où je vois sa tête, je vois sa tête. Bon, au pire, hein. On m'en bat les couilles. Moi, c'est beaucoup plus discret comme ça. Le problème, c'est que j'ai pas d'armes avec des silencieux et tout ça. Donc, pour les éliminations, moi qui aime bien des fois la jouer assez discret, bah, c'est un peu dur. Hein. Oh, 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 oh. La baronne, toi, tu m'entends les bras. Ninja. Je vais m'endormir. Tu tiens, connard. Il est en train de pisser, mec. Non, non. Ok. Là, ils m'ont vu. Ah, chier. Elle est où l'alarme? Ok. Bon, c'était vraiment pas compliqué en fait. Chaque fois je stresse pour rien, mais il faut juste que je prenne un peu plus mon temps, que j'y aille pas comme un bourrin. Et bah finalement ça passe très très bien. Bon, à chaque fois je prends vraiment cher, mais bon. Alors du coup, maintenant on va aller à cette petite tour. Je vais prendre le bateau, tiens, ça va aller plus vite. D'accord. Putain de ta mère. Léo, ça va monsieur? On manœuvre et on fonce dans le tas. Ok. Allô, docteur Earnhardt. Bon bah, il y a un chemin. C'est Daisy. J'ai emprunté le téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, comment ça docteur. Va? Je me rapproche. Et toi, ça va? Ouais. Le docteur m'a installé dans une grotte sous sa maison. C'est plus sûr à cause des pirates qui passent souvent lui acheter des champignons. Mais j'ai trouvé un super truc ici. Faut que tu vois ça. Ok. Je te retrouve plus tard. Avec les autres, j'espère. Super. Super. Bye. Ok. Bon bah va falloir qu'on aille visiter des îles. Bon. Je crois que je suis arrivé en haut de cette tour là. Ça va finalement les tours. J'en gardais un plus mauvais souvenir que ça où j'arrêtais pas de me casser la gueule. Mais en fait, bon ça va. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Hein. Parce qu'à chaque fois il y avait des rambards comme ça. Bah pouf, je me cassais la gueule. Tout con mais ouais. C'est juste parce que j'étais pas très très attentif. Donc pas futile non plus. Bon, piratage, et en plus j'ai vu juste avant de pirater qu'il y avait une tyrolienne qui nous a ramené juste devant l'objectif. Le truc mais parfait.
Là franchement c'est coucou c'est moi, bonjour, je embarque la fille et je repars. Putain, il y a plein de coffres qui brillent partout, partout. Bon, c'est le truc là-bas qu'on va aller. Il me semble. Bon oui, c'est ça. Ah, d'accord, il y a un camp là. Je me disais pourquoi c'est encore rouge. Donc. Bon bah on y va. Hein. Oh, un point. Désolé, je les prends les points parce que. Wow. C'est utile. Ça sert à quoi ça? Je sais pas. Mon anglais n'est pas assez développé pour savoir ce que ça veut dire. On va prendre ça. Voilà. En fait, ça permet de prendre les cadavres. Tout con. Sprinter chargeant. Très utile. Alors, ensuite, le requin. Bon, on va prendre ça. Hein. Plus 50% de je sais pas trop quoi. Ça peut être utile. Non, ça, je m'en servirai pas. La provenance. Ça doit être pour diminuer le recul, ça. Un sniper, bah je compte en avoir un, ça c'est pour retenir surtout plus longtemps. Et donc on va mettre ça. Normalement c'est pour avoir moins de recul. Normalement là mon tatouage, il a poussé. Ok. Ouh, des petites armes. Ouais, ça je m'en fous. Alors. What? Bon d'accord. Alors il y a une alarme là. Putain mais il y a combien de mecs? Oh là là. Ouh, coucou toi. Je t'avais pas vu. Bon. Ça va pas être simple. Là franchement un petit sniper silencieux, les headshots, tout ça passe tout seul. Il va falloir que je le tue. Tiens d'ailleurs lui il a un sniper il me semble. Non? Oh putain c'est une calache. Bon on va continuer à faire notre petit tour. Toi déjà hop. Là il y en a. Ok donc non j'ai rêvé. Il n'y en a pas. Il y en a pas tant que ça finalement. Ça devrait passer. Je vais te tuer comme ça au moins. Oh putain il m'a fait peur lui. Oh j'allais le tuer aussi. Putain. Tu me vois pas. Dommage que tu m'aies pas vu parce que là t'es mort. Bon. Ok. Alors par contre le petit coffre là, excusez-moi mais il m'attire beaucoup même si l'autre aussi. Ah non il est pas très loin. J'allais dire en fait il est pas sur ma route mais bon. Il est pas loin non plus. Donc. Il me semble que j'ai pris le truc pour faire des attaques, des éminations aériennes. Je vais me faire voir à force. Je ne vois pas. Il m'a vu en fait. Ok, il m'a vu. Bon, tant pis, on va y aller à la Rambo. Alors. Bon, c'est pas grave, j'aime bien aussi quand je me sens un peu plus bourrin, moi, ma technique.
What? Le cobra toi? Vas-y, skippé là. On les crève. Oh, 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 oh. Ok, ok. Ok. Bon là ça va pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. Faut juste faire gaffe un peu aux dégâts que je prends, ils sont quand même extrêmement nombreux. Je te viens. Ah bah très bien. On va partir. C'est un vrai qui peut le jouer. D'abord les tuer comme ça moi. Ce sera plus. Putain mais... Ils sont costauds. Ils ont combien de pare-balles? Ouh. Putain non, 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 non. Banzai. Kamikaze. Eh ouais. L'action était belle. Je m'en sers pas souvent, mais bon, là... Exceptionnellement. J'ai craqué. Bon alors... En fait, ce sont les mêmes munitions, il me semble. Bon. Alors, toi... Ah, d'accord. C'est pas une histoire de... Lui, il avait les clés pour ouvrir la... Tiens, des clés, allez. Ok, ok, ok. Ça fait du sens. Ouh, cocaïne. Alors... Excusez-moi, je vous avais pas vu. Putain. Rrrr. Faut que j'arrête d'utiliser les explosifs dans les caves. Plus dangereux. Et des munitions, puis. What? Je calme tout de suite. En fait, c'est chiant parce qu'ils ont que des fusils à pompe là-dedans. À l'arrière, ce que je peux faire, c'est justement... Non, pas le fouiller, prends son arme. Elle est où son arme? Ok, il a plus d'armes. Il est là, là, c'est qui? Voilà. Il fonce vers la prison. Sortez-le de la grotte. En plus, dans une caverne, ça peut être avantageux d'avoir un putain de pompe. Le mec, il gueule, il est encore plus discret. Lisa. Ok. Par contre, je veux savoir, j'ai horreur des fusillades parce que ça a une portée de merde. Comme faut que ça recharge et que je tire souvent à côté, c'est pas mon arme de prédilection. Ok, voyez. Oh. Patience. Voilà. Bon, j'ai plus de seringue. Ça va être beau. Je suis dans la merde. Ah yes, un kit de soin quand même. Plus sympathique. Ok. Bon, toi, t'auras pas fait long. Là, y'a plein de coffres. Y'a plein de coffres. Excusez-moi, mais ma folie des coffres l'importe. L'argent. Ah. Putain, je commence à avoir trop de thunes, je pense. Alors, toc toc, c'est moi que v'là. Cette vidéo, elle est pas là. Petite statuette. Je sais pas à quoi ça sert les reliques. Jamais su. Non. Je veux que tu dises maman, papa. Maman, papa. Je vous aime. Je veux rentrer à la maison. Non. Oui, voilà, sauf qu'on va la refaire. T'es où? Bon allez. On va pas perdre. Ouah. Putain. Je l'avais pas vu lui. Bon, ça fait partie du scénario, donc c'est bon. Pas de panique. Par contre, faut que je fasse un petit peu gaffe parce que je remarque ça en ce moment. La durée des épisodes 40 minutes. Hein. Bon, ça me dérange pas, j'aime bien faire des épisodes 40 minutes, comme ça on est bien dans le truc. Mais bon,
T'entends la question, qui t'a tatoué? C'est sur toi, Claude, excellent. Hein? Tu crois comme nous avec ça? Tu crois que tous les deux on est pareil? Hein? C'est que ça les fait bander la jungle. C'est californien. Eh bien, je vais lui faire un beau trou dans son crâne à ma sœur. Comme à ton frère Grant. Je t'emmerde! T'es en colère, Jason. Oui. Tu as la rage. Ok. T'as le droit. Je l'ai aussi. On n'a qu'une famille après tout ça. Moi aussi, je t'emmerde. À une époque, j'aurais tout fait pour ma sœur. Tiens, la première fois que j'ai tué, c'était pour elle. Ça lui suffisait pas, ça. Oh, non, 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 pas du tout. C'est ça le truc avec ce qu'on aime, tu vois. C'est foutu d'être cher. Il te plante un putain de couteau dans le dos à chaque fois. Alors, il dit comme ça, il dit, passe. Qui ça va? Ce coup-là, putain. Ah, ou moi. Moi. Ou ah. C'est... Non, je te jure, c'est comme s'il se disait que je devais faire un putain de choix. Bon, et ton feu, là? T'es cinglé, mec. Tu vois? Et bonjour la poésie. C'est vraiment dommage que Citra t'ait tatoué comme ça. La seule façon de te tuer avec ça, c'est de t'effacer complètement. Chut. C'est rien. Non, arrête. Ça ira. Jason, je te jure, honnêtement, c'est carrément touchant que tu sois prêt à mourir pour ce que tu aimes. Ok. Bon. Lisa, j'arrive. Ça part un peu en couille quand même. Ça doit faire mal ça. Bon. Ok, donc ça y est. Le prénom de la fille qu'on a trouvé, c'est Lisa, une de nos amies. Et disons que comme la maison est un peu en train de cramer à cause de cette enculée de vase. Bah voilà, faut aller la sauver assez vite, faut tirer sur les canalisations pour éteindre le feu. Ça je m'en souviens très bien. Vous allez trop vite. Sans blague mec. J'avais pas remarqué. Par où faut aller là? Ok. Ok. Bah, je sais que ça fait déjà 30 minutes, mais bon, hein. Fuck. Je termine quand même la mission. Oh putain, le truc est en train de se passer la gueule. J'ai vu. Bon, allez. Faut sauter là. Ah non. Allez, ah bah, ça pète de partout. Là il y a une poutre. Putain, faut faire gaffe à pas tomber. Eliane, encore, je sais pas quoi. Allez, fonce. Ah, je crois que j'ai fini. Ok. Les filles d'abord. Oliver après. Allez, Jason. Oh mon dieu. Oh la vache. Ouais, je crois. Là, regarde, ce caca. Ok, bah. Ouais, de toute façon. Il est à découvert. Ça doit faire mal quand même parce qu'ils sont tombés d'assez haut. Hein. Bon, il y avait des étages, mais ça doit faire mal. Quoi? Conduis. Ok. Il arrive dans le réservoir. Il va démarrer. Oh, gueule.
Oh non, je voulais conduire. On y va, Jason. C'est prévu pour les chauffeurs comme moi, ils font ouais non. Tu vas pas conduire mec, tu vas lâcher. C'est pas probable mais bon. Ah, bon. Putain, j'ai niqué la barre espace. Ok. Une arme, please. Oh, calme, hein. Ça prend team. Mes armes, s'il vous plaît. Quoi, oh le lance-patate. Ça, c'est mon arme de prédilection. J'adore ça. Bon, par contre, je veux bien des ennemis. Et bon. Monsieur, attends, j'arrête. Ils ont même pas le temps de te tirer dessus qu'ils sont déjà morts. Mais bon, ils te tirent plus dessus. Je leur tire dessus, mais deux secondes, je mets un point. Allô, le petit point, le petit point, le petit point. Moins nerveuse avec le volant. Et moi, ça m'aide. Ah bon, ça. Bon, on agit 25% plus rapidement en appuyant sur le site. Donc c'est ça. Après, si j'ai des conneries, vous pouvez me reprendre. Hein. C'est toujours bon. Bon, je me fais chier, moi, là. Ah, quand même. Un peu court. Si, si, t'inquiète. Finalement, j'ai le temps de recharger. Oh, 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 il y a du monde. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 10h10. 2h, chez moi, il est 11h. 11h10, même. 11h10. Et je jure, hein, en fait, il est 11h21. Il est 11h10. Donc voilà. C'est marrant. Mais c'est quoi l'embrayage? Ah, les flics en plus. Bon, d'accord. Oh. Faut pas s'arrêter non plus. Hein. Ah, ouais, très bien. Très bon endroit pour caler. Oh putain, quel est le jeu. Ça y est, là, ça y est. Oh. Allez, allez, allez. Bah voilà, attends, je tourne. Oh putain, au pistolet là. Ok, bon. Ah bah vas-y, roule lui dessus, on va rien dire. T'es flic, hein. Bon, certes, c'est des pirates, mais bon. Bon, je tire pas très droit en bagnole. Hein. Skate. Elle roule pas très droit non plus. Ouh, celle-là, elle a fait mal. On a réussi. Pardonne-moi, mais je me drogue. Ouais, j'ai failli brûler vive. Alors tu parles d'une réussite. Franchement, je conduis mieux. Hein. Et plus vite. C'est un cauchemar. Bon, écoute, je vais tout arranger. Tu sais où les pirates ont amené les autres? Ils ont conduit Oliver dans un endroit appelé le bunker. Je sais pas ce qu'ils ont fait de Kiss ou Daisy. D'accord, Ira, elle est. J'en sais rien, je sais pas où il est, ni Grant. Bon, ça va, et moi, attends. Moi, je dois tous vous sauver, hein, donc, franchement. C'est pas possible. Mais j'ai trouvé Daisy, et je trouverai les autres. Où est-ce qu'elle est? Daisy, je sais. Viens, je t'y emmène. Okay. Enfin, il me semble que c'est celle qui est. Ouais, Grant est mort, et Daisy, c'est celle qui est à la maison du vieux, là, du docteur. Enfin, dans une caverne en dessous, apparemment. Bon, bon, petit chargement. J'ai regardé quand même pour histoire de pas couper la cinématique là. Si jamais il y en a une, mais bon, je préfère attendre quand même que ça charge comme ça au moins. Voilà. Ok, donc non. Là, va juste falloir qu'on emmène. C'est quoi ton nom, Liz? Il me semble que c'est Liz. Bon, voilà. Hein. On va le faire, à mon avis, dans... Oh, laissez-moi tranquille, les points. On va le faire dans le prochain épisode, qui sera, mercredi. Ouais. Dans le prochain épisode, donc, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu, parce qu'il y a eu pas mal d'actions, on a sauvé une de nos amies en plus. Et, j'ai pensé à mettre un like. Rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.